Bonjour. Monsieur Malak, rencontre-moi les yeux dans les yeux. À quoi penses-tu? Dites-moi. Rien. Mon frère est perdu dans de profondes pensées. Il s'est noyé dedans. Tout va bien? C'est bon. Que fait Abbas? Abbas est bien par la grâce de Dieu. Il a ouvert les mains. Il gagne en double. Vraiment? Oui. Eh bien, c'est une grande chose. A-t-il oublié les conseils de papa? Le temps est comme ça de nos jours. Il faut marcher avec le temps. Maintenant, dis-moi, je ne t'ai pas demandé de thé. Attendez. Oui. Sœur Malak est là. Demandez-lui du thé. Est-ce que ta boutique va bien? S'il vous plaît, montrez votre amour et abonnez-vous à notre chaîne. Tu as fait de la très bonne nourriture. J'ai commandé à l'extérieur. Dehors? Pourquoi as-tu commandé à l'extérieur? Pourquoi tu n'as pas cuisiné? J'allais cuisiner, mais ma main s'est brûlée. Mais maintenant j'ai aussi de l'argent. Alors j'ai envoyé un enfant pour l'apporter. J'ai dit, vas-y, mon fils, et apporter deux assiettes de légumes. Tu as bien fait. Commander parfois à l'extérieur. À quoi penses-tu? Dites-moi. Tufail n'est pas venu. Oui donc. Comment peut-il venir ici? Il venait ici depuis 4 jours. C'est bon, il devrait s'asseoir et réfléchir. Il est très difficile pour un homme de vivre seul. Quand il n'y aura personne pour s'occuper de lui, il t'appréciera alors. Mais... il n'a même pas appelé. Il appellera. Laissez-le rester inquiet pendant quelques jours. Ne commence pas à avoir pitié de lui si facilement. Il devrait venir 3 à 4 fois et demande pardon. Alors va avec lui. Pense. Je ne me sens pas désolée. Je vais lui faire demander pardon. Jusqu'à ce qu'il me donne 44 grammes de bracelet en or. Je n'irai pas. Oui. Vous avez dit tout à fait raison. Bravo, mon enfant. Fais comme ça, d'accord. Tu es arrivé tôt aujourd'hui. Je ne suis pas venu si tôt. Tu dors encore. Il n'y a rien à faire. C'est pourquoi je dors. D'accord. Je vais me rafraîchir. Tu mets de la nourriture sur la table. Laisse-moi le commander. Vous commanderez. Bien. Je mange rassasié depuis 3 jours. Il semble que je me drogue. Dans combien de temps la nourriture arrivera-t-elle? Dans 2 minutes. Je dois juste commander dans le quartier. Du quartier? D'où? Notre oncle a un hôtel. Au coin. Hôtel GT, de là. Ceci, tu veux dire, la nourriture est faite par maman. Oui. C'est pour ça que tu manges le ventre plein. Laisse-moi juste commander. Aujourd'hui, notre série est diffusée. J'ai demandé à maman de prier pour moi. Pour que notre série soit frappée. Demandez-lui de le regarder aussi. Elle le regardera. Elle le regardera, c'est sûr. Elle est folle de moi. Et je suis profondément amoureux d'elle. Si tu le veux, maman, une fois, tu sauras alors que je dis la vérité. Elle est comme ça. Elle est gentille. Et où est ma place? Au pied de ma mère. Où est ma place? Votre place est aussi là.
Ok maintenant, la série a commencé. Regardez. Donc pourquoi es-tu assis ici ? Papa m'a viré de la maison. Pourquoi ? Pendant que je lui parlais. Aujourd'hui à propos de notre mariage. Alors ? Alors. Il a dit que ce n'était pas possible. J'ai dit que je t'aime beaucoup. Je ne suis pas infidèle. Il a dit qu'à notre époque, l'amour est une maladie. Ceux qui en sont atteints ne peuvent pas être guéris. J'ai essayé de lui expliquer. Je lui ai dit que tu m'aimes aussi beaucoup. Mais non. Il n'était pas d'accord et m'a expulsé de la maison. Il t'a seulement viré de la maison. Il ne t'a pas retiré de l'héritage. Nous pouvons aller au tribunal et nous marier. On pourra lui dire après. Mais il ne sera pas d'accord. Tu me laisses ça. Je suis là. Je vais le mettre d'accord. Ce qui s'est passé ? Pourquoi as-tu éteint la télé ? Eh bien, je cherchais juste des nouvelles. Comme nous devrions savoir ce qui se passe dans le pays. N'est-ce pas ? C'est pourquoi. Puis-je te demander quelque chose ? Demandez. Tu connais notre fils, Shuja, notre plus jeune fils, notre enfant. Si un jour il nous dit qu'il veut épouser quelqu'un de son choix alors ? Alors allons-nous le chasser de la maison ? Vous a-t-il dit quelque chose ? Non, non. Je le jure devant Dieu, il n'a rien dit. J'étais juste, disant que les enfants d'aujourd'hui se marient selon leur choix. Alors j'ai dit peut-être. Et s'il nous disait ? Vais-je avoir de la nourriture maintenant ? Oui, pourquoi pas. J'ai fait des pommes de terre et de la viande, avec Bugia. Eh bien, ça va, c'est notre enfant. Cela n'aura pas d'importance. Que dire des enfants d'aujourd'hui ? Ils sont fous, on ne sait jamais. Eh bien, les filles sont aussi gentilles. Cela n'aura pas d'importance. Que regardait-elle ? C'est la limite. Après avoir regardé ces séries télévisées, ces femmes ont également commencé à agir à la maison. Mon enfant est si innocent. S'il se marie par son choix, vas-tu donner un coup de pied, lui hors de la maison ? Oui, oui. Oui. Oui, oui. Non, je ne regarde pas les séries. Je ne regarde aucune série. Oh. Bien. C'est le frère de ma belle-fille. Frère de ma belle-fille. D'accord, d'accord, d'accord. Au revoir. Ils sont nouveaux. Elle faisait l'éloge des séries de ton frère. Savez-vous ? Je reçois aussi beaucoup de messages. Le travail de votre frère est beaucoup loué. Oui, seules des louanges sont faites. Il n'y a pas d'argent. Non, maman. Une fois qu'un nom est fait, vous pouvez très bien gagner. Mais reste, il y a du travail plus que de l'argent. Eh bien, de toute façon, Aïcha, j'ai vraiment faim. S'il te plaît, va mettre la table. Ok, maman. Allez. Est-ce que vous regardez des séries ? Je viens de m'asseoir avec elle. Évidemment, c'est la série de ton beau-frère, alors regarde-la. Ok, je dois aller me changer. Jusqu'à ce que la table soit mise, d'accord. Moi aussi. Oui.
Bon. Nous avons reçu une bonne note. J'ai reçu des appels de 3 maisons de production. C'est pourquoi Shuja refuse. Tu sais très bien. Je ne peux pas parler à tout le monde de mon impuissance. Ok, dis-moi, est-ce que maman a appelé ? C'est bien que tu me l'aies rappelé. J'ai oublié. Je vais juste l'appeler. Eh bien, toi Shuja. Maman, maman. Bonjour. Salutations à toi, maman. Salutations à toi aussi. Avez-vous regardé la série ? Oui. Je l'ai vue. Je n'ai pas pu dormir de la nuit. Pourquoi, maman ? Shuja, regardez. N'épouse pas cette fille. Quelle fille ? Celui de la série. Pourquoi, maman ? Regarde Shuja, les filles qui rument loin de chez elles. Ils n'ont pas raison. Aujourd'hui, elle fuira ses parents pour toi. Demain, elle te fuira pour quelqu'un d'autre. Nous serons diffamés et déshonorés. Maman, ce n'est rien de tout ça. Ce n'est qu'une série télévisée. Dans la vraie vie, cela n'arrive pas. Bien. Alors tout ce que vous montrez dans vos séries créées, cette génération va mal. Maman, ma chère maman, ne t'inquiète pas. Pourquoi ne devrais-je pas m'inquiéter ? Toute la nuit, je me suis inquiétée pour toi et je n'arrive pas à dormir. Tu me promets, tu ne parleras pas à cette fille. Et Dieu ne t'en préserve pas, n'envisage pas de l'épouser. Eh bien, maman, dois-je te demander une chose ? Cette fille, n'est-elle pas la plus belle ? Que ferons-nous de sa beauté ? Si son personnage n'est pas correct, que ferons-nous alors ? Maman, elle n'est pas du tout comme ça, elle est dans la série. Elle est très gentille. Veux-tu me dire ça ? Écoutez-moi, j'emmènerai ta femme avec beaucoup d'amour. C'est ça, je vais chercher une proposition pour toi maintenant. Maman, maman, bonjour. En fait, ma mère est très naïve. Quoi qu'elle regarde dans les séries télévisées, elle pense que c'est réel. Les séries sont également liées à la vie de quelqu'un. Laisse-moi aller appeler papa. Je reviendrai. Alors, te voilà. Je le savais. Que vous. Je ne peux pas y rester longtemps. Tu reviendras bientôt. Je ne suis pas revenu, tu failles. Bien. Alors es-tu venu prendre quelque chose ? Non. Je ne suis pas venu pour prendre quoi que ce soit. Je suis venu voir le Tufail, qui ne pouvait pas vivre sans moi. Maintenant, depuis tant de jours, comment a-t-il passé tant de jours sans moi ? Eh bien, c'est génial. La même plainte. Mes parents ont de moi. Mais Miss Najina, je ne suis pas en faute ici. Toute la faute. C'est le tien. Tu m'as donné l'habitude. D'oublier que... je ne me souviens de rien maintenant. Rien. Tu failles, l'amour ne s'oublie pas si facilement. Amour. Où est l'amour ? Où ? L'amour de notre relation. Non. Non, mademoiselle Najina, non. Il n'y avait pas d'amour. Selon le temps, chaque relation est liée à un besoin. Quand le besoin se termine, alors la relation se termine également. Regarde mes parents. Regarde mon père. Jusqu'à ce que je sois. Leur donner de l'argent, comme ils le voulaient. Tout était bien. Tu sais quoi, le jour où j'ai donné de l'argent pas selon leurs souhaits et puis... ou refusé de leur donner de l'argent, mon père s'est mis en colère contre moi. Il n'a même pas vu que son fils pouvait aussi avoir une raison pour cela. Je suis prêt à donner ma part même aujourd'hui. Mais non. Mon père est en colère contre moi. Tu failles, c'est ton père. Et je suis ta femme. Quand j'ai réalisé les désirs des deux, alors Tufail est là. Sinon, Tufail n'est personne.
Qu'est-ce que tu dis ? Je parle de... Quelle est la vérité ? Ce qui te semble être... Que tu n'aimes pas. Najina, je suis en retard. Je dois y aller. Je sais ce que vous voulez. Je n'ai pas besoin de ton argent. Vraiment ? Alors ? Alors ? Oui, alors. Ensuite, rien. Écoute, je suis. En allant de ce côté, je peux te quitter. Je n'ai même pas besoin d'une petite compagnie de ta part. J'irai seul. Oui, chérie. Non, non, j'étais juste. J'allais juste partir. Mes vieux parents sont venus. Ils m'ont enlevé 5 minutes de ma vie. Je viens juste d'arriver. Maman, papa. Salutations. Eh bien, Fatima, la moitié des clients se sent rassasiés par l'odeur de votre nourriture. Et l'autre moitié dit que le niveau d'épice est tellement bon sans comparaison. Laisse-moi vérifier le sel. D'accord. Ce à quoi tu fais face avec le mauvais œil. Attention, vous risquez de vous brûler la main. Au moins. Meilleur. Dois-je mettre plus d'épices ? Non, non, non. Les gens mangent moins d'épices maintenant. Oui. Les hémorroïdes affectent les gens de nos jours. Frère. Ghulam Hussein. Ghulam Hussein. C'est bon de te voir ici. Maman, bien. Qu'est-il arrivé à papa ? C'est ce que nous sommes venus vous demander, Feroza. Qu'est-ce qui t'est arrivé ? Il ne m'est rien arrivé, mais... Papa n'a pas mis le sien. Passe-moi la tête. Il ne m'a pas non plus donné de prière. Il a passé 5 heures tranquillement dans le bus. Il avait la tête baissée. Il n'a pas levé la tête une seule fois. Viens. Tu entres à l'intérieur. Tu es venu soudainement. D'accord. Tu t'assois. Laisse-moi apporter de l'eau. Maman, viens. 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 S'asseoir. S'asseoir. Comment est-il venu ? Tout va bien ? Organisez-lui du thé. J'arrive. Et, tu es toujours debout. S'asseoir. Asseyez-vous. Toi. Asseyez-vous d'abord. Et, d'accord, mon frère, je vais m'asseoir en premier. S'asseoir. Salut, Ghulam Hussein. Mon enfant, asseyez-vous ici, ne faites pas ça. Ne faites pas cela. Avoir de la patience. Tiens, prends de l'eau. Dites-moi, qu'est-ce que ça se passe maintenant ? C'est juste. Ce qui est arrivé doit arriver. Nous ne savons donc pas pourquoi c'est arrivé, Ghulam Hussein. Ceci est arrivé. Les parents n'ont-ils aucun droit, frère ? Seuls les enfants ont le droit. Jusqu'à ce qu'ils soient nos enfants. Nous leur avons parlé de notre devoir. Ils sont devenus parents maintenant. Ils nous font accepter leurs droits. Tiens, prends le thé. Ici. Tiens, prends le thé. Tu aurais dû amener Rachida avec toi. Elle est également venue. Est-ce ainsi ? Où est-elle alors ? Où ? Elle est. Avec Feroza lorsque nous l'avons rencontrée à la porte. Elle est avec elle maintenant.
nous avons donné à notre fille, en tant que belle-fille dans ce tuyau. Qu'elle rendra cette maison meilleure. Mais tu as divisé la maison en morceaux. Maman, je ne suis pas en faute ici. Ceci est fait par leur fil. Tu aurais dû faire comprendre à ton mari. S'il y avait quelque chose comme ça, tu devrais. M'ont appelé et nous ont dit. Je suis entrée dans cette maison en tant que fille. Mais personne ici m'a même donné le droit d'une belle fille. Maintenant lève-toi, viens avec moi. Où? À ta belle-mère, qui d'autre? Maman, je ne peux pas y aller. Je n'ai pas le temps. Féroza, regardez. Les malentendus finissent en se rencontrant. Maman, je ne peux pas y aller. Mon mari n'aime pas ça non plus. Où vas-tu? Je t'ai parlé comme une mère parle à sa fille. Mais tu es devenue femme et tu as parlé de ton mari. Maintenant, j'ai aussi réalisé que mon mari n'aime pas venir chez toi. Alors, pourquoi suis-je venue ici? Maman. Maman, écoute-moi. Frère. Combien de temps garderez-vous la douleur dans votre cœur? Tu aurais dû m'appeler une fois et me dire. Quand tu partages la douleur, elle diminue. Gulam Hussein, nous le partageons. Nous le partageons tous les deux tous les jours. Si vous partagez la douleur avec la douleur, elle ne diminuera pas. Vous êtes tous les deux tristes. Le truc, c'est Gulam Hussein. Quand nous allons tous les deux vivre et mourir ensemble. Alors pourquoi confions-nous nos inquiétudes à quelqu'un d'autre? Je suis ton frère. Tu n'es pas seulement mon frère. Tu es mon ego, Gulam Hussein. Dans notre vie. Quoi que je t'ai dit. Vous l'avez accepté comme votre devoir et vous l'avez fait. Dans ce malentendu. J'ai essayé ça avec mes fils. Mais ils nous ont seulement fait pleurer. Dieu arrangera les choses. Salut, Rachida. C'est bon de te voir ici. Salutations, frère. Salutations, ma sœur. Salutations à toi aussi. Rachida, qui est Féroza? Féroza n'est plus notre fille. La fille que nous avons renvoyée ici comme belle-fille. Elle est devenue la femme. Ok, asseyez-vous, laissez-moi apporter du thé. Non, sœur, c'est assez. Nous devons partir maintenant. Vous êtes venue après un long voyage. Reste la nuit, au moins. Non, sœur. C'est difficile de rester maintenant. Allons-y maintenant. Mais Gulam Hussein. Pas de frère. Allons-y maintenant. J'irai au sanctuaire et prie pour toi. Dieu le fera. Rendre les choses faciles pour vous. Amen. D'accord, frère. D'accord. D'accord, ma sœur. Rachida. La porte de mon frère est par ici. Viens. Papa. D'accord, t'es mûr, je pars. Tu vas partir en retard. Alors le chauffeur me laissera. Où allez-vous aujourd'hui? Tu l'as dit toi-même. Ne faites pas de tâches de nuit car nous avons des fonctions familiales. Mais je ne t'ai pas demandé de faire des tâches quotidiennes. Oui, mais toutes les fonctions se déroulent la nuit. Et il n'y a rien le matin. Eh bien, certains de mes cousins viennent. Ils veulent faire du shopping avec toi. S'il te plaît, t'es mûr. Demande-moi au moins avant de faire des projets. Mec, ils m'ont demandé. J'ai dit, pourquoi pas? Ayesha viendra avec toi. Je ne suis pas une femme libre assise à la maison. Qui peut faire du shopping avec vous tous avec un préavis de 2 minutes? T'es mûr. Un médecin a des limites. Dis-moi une chose. Est-ce que quelqu'un vous a arrêté pendant que vous étudiez? Quelqu'un vous a arrêté? Mes cousins voulaient venir te rencontrer. Ça aussi dans ton amour. J'ai dit non. Elle étudie donc pas maintenant. Tu devrais même coopérer maintenant, t'es mûr. Est-ce ma seule responsabilité de coopérer? Je veux dire, vous n'avez aucun souci pour mon honneur.
Arrête ça maintenant. Tu as étudié. Vous avez fait MBBS et obtenu le diplôme. Maintenant, arrête ce spectacle. Spectacle. Oui, c'est un spectacle. Il n'y a ni jour ni nuit pour toi. Toute la journée, les domestiques sont autour de toi. Mais tu veux quand même être celui qui sert. Bien. Je te promets. Après le travail à la maison, tu me donnes quelques mois. Après ça, je ferai mon travail fixe. Je ferai mon travail. Ton travail? Quel travail? Pratique. Pourquoi as-tu besoin de t'entraîner? Que veux-tu dire? Je veux dire, voulez-vous gagner de l'argent grâce à la pratique? Que dis-tu? T'es mûr? Dis-moi, combien d'argent gagnes-tu? Je donnerai le double, pas le triple de l'argent. Mais je ne peux pas tolérer que tu soignes ces gens. Ma famille n'aime pas ça non plus. Que veux-tu? Le dur travail que j'ai fait. Je suis devenu médecin. Je devrais tout laisser et rester à la maison. Oui. Et que vais-je faire à la maison? Tu devrais profiter, faire du shopping, aller à la salle de sport. Je veux dire, vous n'aimez pas la vie de repos? Non. Je ne déteste pas la vie de repos. Mais je ne peux pas passer ma vie sans aucun objectif. Et sous, en aucun cas je ne peux abandonner mon travail. Et c'est clair. Bien. Vous ne pouvez pas quitter votre profession. Bien. Alors laisse-moi. Il faut choisir entre les deux. Taïmur et mon fils aîné. Oui, maman. Fils, quand iras-tu au bureau? Puis renvoyer Sir Ashfaq chez lui. J'ai un travail très important à faire avec lui. Il est important de le faire. D'accord, je vais lui envoyer. Bien. Ayesha ne vient pas avec toi. Pourquoi pas? Non. Pourquoi? Cela lui prendra du temps. Cela lui prendra du temps. Que veux-tu dire? Bien. Que veux-tu dire par là? Eh bien, sortir du pays ou de la ville, c'est hors de question pour elle. C'est un petit voyage. Elle n'a pas non plus le temps pour ça. C'est la limite. Elle n'a qu'à se laisser tomber. Je dis que mari et femme devraient aller ensemble. Sur le chemin, vous pouvez. Tous les deux parlent d'amour. Je jure. Je te dis. Fais-lui tout quitter. Fais-lui le quitter. Maman, toute la vie est laissée pour ces choses. Laisse-la faire ce qu'elle veut. De toute façon, je lui ai promis. Tout arrivera comme elle le souhaite. Donc tu es sous ses ordres maintenant. Mon fils, quelques jours se sont écoulés et vous avez. Je lui ai fait cette promesse. Je l'ai promis. Très bien, j'y vais maintenant. Je parlerai plus tard. Pourquoi parleras-tu plus tard? Au revoir. Il doit y avoir quelque chose. J'ai fait cette promesse avec elle. Cette promesse avec elle. Zoubeda, dis à Tariq de m'envoyer mon petit déjeuner. J'ai tellement faim depuis le matin. Ils ne m'ont pas donné le bon thé au lit ou quoi que ce soit d'autre. Apportez-le vite. Tu as de l'argent pour moi, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, maintenant. Je peux même donner ma vie pour toi. Tu m'ordonnes. Vraiment? Alors donne-moi l'argent pour les cométis. Un si long commentaire. Je ne comprends pas pourquoi j'ai commencé ce long cométis. Mademoiselle Najina, que ferez-vous avec 2 lacs de roupies? Je veux me faire des bijoux. Tu as déjà tellement de bijoux. Écoute, tu failles. C'est toi qui m'as promis. Quand je n'aimais pas le décor de Walima, tu as dit que tu m'en ferais un nouveau. Non, pas du tout. Les hommes ne se souviennent pas de promesses comme celle-là. Oui. Tu failles. Écoute, je ne te prends pas une grosse somme. Je prends une petite quantité à la fois. Et s'il y a quelque chose de moins dedans, tu peux le couvrir après. Eh bien, ça veut dire que, après avoir reçu les cométis, je dois.
donner plus d'argent. Oui, ce n'est pas grave. D'ici là, votre contrat sera terminé, et vous obtiendrez également des bénéfices. Hein. Une bague en diamant peut en être fabriquée. Très bien, maman. Peu importe ce que tu dis. Comment puis-je te dire quelque chose? C'est ça le truc. Que fais-tu? Bien. Je regardais que je n'ai pas d'argent. Maman, donne-moi de l'argent. Combien? Seulement 2 à 3 000. 2 à 3 000. Cher, que ferez-vous avec autant d'argent? Ils ne sont pas beaucoup. Bien, je dois apporter le lait d'Aran et sa mangeoire. Fauché, je dois l'apporter. Eh bien, c'est bien. Pour le moment, je n'ai pas autant d'argent. Quand Jamil arrive, je lui demanderai de te donner. Ce qui s'est passé? Tu n'en gardes même pas 2 à 3 000 avec toi. Vous prenez de l'argent à mon frère. Eh bien, nous ne sommes pas riches comme ton mari. Quel que soit l'argent dont nous disposons, nous le dépensons. C'est comme ça. Quoi? Ressentez-vous mes dépenses comme un fardeau? Mais tu as dit ça. Je ne suis pas un fardeau pour toi. Najina, tu n'es pas un fardeau pour moi. Mais votre enfant est sous la responsabilité de Tufail. Écoute, il devrait supporter les dépenses de son enfant. Pourquoi tu ne l'appelles pas? Appelle-le maintenant. Et dis-lui, envoyez de l'argent pour les dépenses de son enfant. Ça fait une semaine. Il ne nous a même pas regardé. Bonjour. Salutations, papa. Salutations à toi aussi. Comment va mon fils? Que dois-je te dire, papa? Je vais bien. Je ne peux pas travailler correctement. Non, chérie, ne dis pas ça. Maintenant que tu es parti, travaille dur. Que dois-je faire, papa? Je ne peux pas le faire. Tu ne peux pas le faire. Tout va bien, mon fils? Ce n'est pas bien, papa. Votre état. L'environnement de la maison. Comment puis-je rester bien après l'avoir regardé? Ne vous inquiétez pas ici. Tout ira bien. Je suis ici. Mais papa, je ne suis pas là avec toi. Eh bien, tu es toujours dans mon cœur comme un battement de cœur. Continue à te souvenir de Dieu. Si Dieu le veut, tu t'installeras. Je suis venu acheter des légumes. Laisse-moi l'acheter. Mais continue de m'appeler. Au revoir. Deux à trois mille. Quel lait est si cher? Fils, c'est du lait de marque. Je ne connais pas son nom. Elle aurait dû l'apporter. Nous n'achèterons pas de lait si cher. Elle est venue pour quelques jours. Elle ira. Donner de l'argent maintenant. Sinon, que va-t-elle penser? Eh bien, la sœur ne pense pas. Ce que nous pensons. Elle est une invitée ici. Un invité est pour un jour ou deux jours. Elle est venue pour rester longtemps. Alors elle devrait rester comme une famille. Elle n'aide pas aux tâches ménagères. Et ne se lève même pas pour boire de l'eau. Comme elle n'a pas d'habitude chez elle. C'est pourquoi. Comme elle a quitté son mari, elle aurait dû. J'ai aussi quitté l'attitude. Pourquoi l'a-t-elle apportée? Parle lentement. Elle écouterait. Que va-t-elle penser? Elle n'aimera pas. Pour le moment, nous n'aimons pas ça. La moitié de la journée, elle dort. Ma femme. Prendre soin de ses propres enfants ou s'occuper de son fils. Eh bien, fais quelque chose pour l'instant. Fais quelque chose pour elle maintenant. Maman, que puis-je faire? Son enfant est-il très spécial? Qu'il doit boire du lait importé?
Le lait que boivent mes enfants. Vous pouvez donner à son enfant. Ce n'est pas possible. Son estomac est bouleversé. Il ne peut pas digérer le lait ici. Puis demande à son père de l'apporter. Je n'ai pas assez d'argent à dépenser pour mes enfants. Comment puis-je subvenir à ses dépenses et à celles de son fils? Bien, prenez des dispositions pour elle maintenant. Ok, ma chère. Au moins.